Donc, voici les Maman, pancakes, ne dis pas. des œufs brouillés, la confiture, du fromage. Maman, ne dis pas le fait de mon papa. Comment? Maman, ne dis pas Et des arachides. pas de mon papa. Tu n'es pas quoi? Ceci pas le fait de mon papa. Tu n'es pas le frère de ton papa? Non. Non, tu es le fils de ton papa. Bon, je te montre, j'ai mis le sac au feu. En fait, il est déjà pré-cuit. Donc là, je vais juste cuire la pâte d'arachide. Oui, j'en mets beaucoup parce que j'aime le sac qui contient beaucoup de pâte d'arachide. Est-ce que tu vois bien là? Voilà. Donc là, j'ai mis la pâte d'arachide. Dans le sac, il y a déjà du poisson, des assaisonnements. Il y a des herbes vertes, il y a poivron, poireau, ciboule, persil, poisson, chinchard, moussaka. Sinon, je vais rajouter encore des assaisonnements tout à l'heure, mais j'attends d'abord que la pâte d'arachide puisse bien cuire. Voilà. Sinon, là, je suis en train de faire du montage. J'ai posé mon masque. Donc, pendant que je fais mon montage, mon masque est posé et puis on gagne du temps, quoi. Bon, je vous reprends. Il doit être 18h, 17h49. Je n'ai pas vlogué de la journée, mais je suis dans mon lit, devant mon ordinateur. En fait, quand je me déplace, c'est juste pour aller aux toilettes. Parce que... Je sais pas. Bref, je pense que c'est ce que j'ai mangé. C'est le mélange de ce que j'ai mangé avant-hier et hier. Du coup, je suis en train de faire... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Bref, je suis en train de faire une diarrhée. Donc, je pense que je vais continuer le vlog demain. Parce que là, je n'ai même pas la force. Je suis fatiguée. Je pense que c'est mon mari qui va réchauffer la nourriture. Je suis fatiguée là. Bon, j'espère que vous allez m'entendre avec le bruit des voitures. Donc je disais, j'espère que vous allez m'entendre avec le bruit des voitures. Nous sommes le 23. Hier, j'ai pas pu clôturer comme je vous l'ai dit hier. En tout cas, hier, ça n'allait pas du tout toute la journée. J'étais soit assise, soit allongée. Heureusement que j'avais... Comment j'allais? Oui. Heureusement que j'avais fait à manger. J'avais déjà fait à manger les jours précédents. Donc mon mari a réchauffé la nourriture. Il a préparé la banane. Et hier, vraiment, c'était une indigestion terrible, terrible. J'ai passé toute la journée pratiquement aux toilettes. Le soir, j'ai quand même pris des médicaments. Ça s'est calmé, mais j'ai passé une nuit assez agitée. Ce matin, très fatiguée. Ça a encore coulé un peu, mais j'ai encore pris les médicaments, donc j'espère que ça va aller mieux. Mais je trouve que j'ai perdu quoi. En une nuit, en une journée, j'ai beaucoup perdu, surtout au niveau de mon ventre. Voilà. Enfin, ben, c'est vraiment visible quoi. Donc là, on est venu au centre-ville faire deux, trois petites choses. Au centre-ville, chérie, pour faire des petites courses. Je dois aussi normalement acheter de la farine, mais mes aventures. Oui, on est avec toi, chérie. Mes aventures, c'est que la vitre de ma portière, ben, ne monte plus. Donc là, mon mari est allé, il est allé seul faire la première course. Et moi, je suis là, dans la voiture, avec mon fils, en train d'attendre, quoi. Parce qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas laisser la voiture comme ça, avec une vitre qui ne se ferme pas. Il va essayer de réparer ça quand on sera à la maison. C'est bien quand vous bricolez un peu, vous dépensez moins d'argent. Donc, au lieu d'aller voir un électricien, ben, il va essayer de démonter ça, de voir ce qu'il peut faire. Voilà. Surtout qu'il pleut. Donc, en fait, là, regardez les gouttes. Là, on attend papa. Regardez, c'est mouillé là. Donc, je suis obligée d'être comme ceci. Comme ça, ben, je ne peux pas mouiller. Comment? Papa a éteint la voiture. Quand il va venir, il va mettre les essuie-glaces. D'accord? Ah, ok. Donc là, on attend mon mari et puis, je vous reprends quoi. Heureusement que j'avais un backup du. Il me restait un backup d'une vidéo. Donc là, le backup, c'est ce que vous allez voir, ce que vous allez voir aujourd'hui le 23. Ben, après, ça permet aussi que je filme la journée du 24. Ouais, ça me permet de filmer la journée du 24 et je pense qu'on va arrêter les vlogs le 25.
Voilà, vous aurez la dernière vidéo le 25 parce que voilà, c'est quand même assez épuisant. Et là, comme je me sens plus aussi trop bien, ben, regardez la petite main là. Bref. Bon, je vais te faire un rapide retour de cause. On a pris des pots de yaourt non sucrés, comme d'habitude. Ça, c'est mon fils qui a choisi. Il a pleurniché, c'est ce qu'il voulait prendre. Il disait banane, banane, banane en voyant la couleur jaune. Donc, des yaourts vanille. Qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris du fromage hamburger. Là, c'est du beurre. J'ai pris une bûche vanille chocolat. J'ai pris des cookies et de la farine parce qu'il ne m'en reste plus assez. Donc voilà, juste un petit retour de course. Ça, c'est ce que j'ai acheté chez Casino. Donc je nettoie tout ça, je mets au frais et je te montre ce que j'ai pris au marché. Sinon, au marché, j'ai pris de la viande fraîche comme ceci, la viande de bœuf ou des brochettes. Je pense que je vais les assaisonner aujourd'hui. La viande fraîche pour les brochettes, je pense que je vais l'assaisonner aujourd'hui. J'ai pris des safou, la star. J'ai pris de la laitue. J'ai pris des petites tomates comme ça. Ce ne sont pas des tomates cerises, mais ce sont des petites tomates. J'avais besoin de petites tomates comme ça, fermes. J'ai pris des grosses tomates aussi, de la banane. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour demain ou après-demain. Et j'ai pris des pommes de terre aussi. Bon, il est 19h, on a mangé. Et là, il y a des gens qui suivent des dessins animés sur les singes. Il y en a d'autres qui font la pagaille sur le tapis. Ils n'ont pas des singes. De comment tu sais? Comment j'ai? Ce sont des singes. Ce sont des singes? Oui. D'accord. C'est qui la grosse part? C'est à qui la grosse part de gâteau? C'est pour papa eux. Pour que nous puissions manger. Ben oui. Le gâteau. Ouh, il s'est coupé. Le gâteau. Comment? Ma maman aussi. Toi aussi. Tiens. Regarde les insectes. Les insectes? Oui. Ils ont fait quoi? Tu sais pas? Non. Le gâteau. C'est bon. C'est pour papa et maman. Et Ruben. Tu sais ce qui manque à ce gâteau? Une petite glace. Une petite glace. Oui, mais papa ne voulait pas qu'on achète la glace.
Et moi, quand ça rend malade à moi. Ça rend malade? Pourquoi? Parce que ça, ça fait mal aux dents. Chérie, il est 20h, il est 19h45. Non, le journal. Oui, je sais que je suis la télé avec ton papa. Moi, j'ai dit que c'est mon papa. Je vais prendre les mesures de Ruben. Pour coudre le cap. Il y a tout là, t'es mon chien. Mon ange, mon tal. Non. Au niveau des talons, non? Tout. Bon, il est 20h48, donc presque 21h. Je n'ai pas encore terminé mon montage, mais au moins j'ai terminé la cape. Cette cape que j'allais faire depuis des semaines. Et il est tout content. Viens que je te prenne une photo, mon garçon. Tourne-toi. Voici le chevalier cheval. Ta chanson, c'est comment? Le cheval. T'es content? Oui. On dit quoi à maman? Merci maman. Je t'en prie mon champion. Oh des bulles, des bulles. On est des petits enfants ici. Des bulles. La neige, c'est la neige. C'est la neige. Le chevalier cheval, il est tout content. Bon, je vais arrêter la vidéo par ici. Je sens très qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série de vidéos de descente. Ça va me permettre de souffler un peu et voilà quoi. Je vais me reposer pendant au moins une semaine et puis on va se retrouver la semaine d'après. Mais sinon, aujourd'hui c'est la 20e vidéo. Que je t'aide à voler. Moi je sais pas voler, chérie. Mais comment je vais t'aider à voler? Comme ça. Le valet, bon, je vous laisse. À demain.